N'oublie pas de me rendre visite, Jennifer Aniston à la mort de l'homme de sa vie. Le lien parent-enfant est un lien indéfectible que la belle Jennifer Aniston ne connaîtra malheureusement pas. À 53 ans, la comédienne, pour qui avoir des enfants était un but de vie, n'aura pas eu l'occasion de fonder une famille. Mariée à plusieurs reprises, avec Brad Pitt ou encore Justin Theroux notamment. Le timing n'était jamais le bon pour entamer ce genre de démarche. Les circonstances auront donc fait que Jennifer Aniston n'aura sans doute jamais d'enfant. Ce n'est pourtant pas faute d'avoir essayé pour l'interprète de Rachel Greyhound dans Friends, j'essayais de tomber enceinte. C'était une route difficile pour moi, la route de la fabrication d'un bébé, confiait-elle dans une interview récente au magazine Allure. Toutes ces années de spéculation. C'était vraiment difficile. J'essayais la FIV, fécondation in vitro. Je buvais des thés chinois, tout ça. J'ai tout essayé. J'aurais donné n'importe quoi pour que quelqu'un me dise, congelez vos ovules. Faites-vous une faveur. Mais on n'y pense tout simplement pas. Guillaumet. Style Diva Place Hold A1 et A1, 8-300px, minimum et 250px, at Media Screen End, minimum 8-990px, Div. A Place Hold A1 et A1, 8-620px, minimum et 350px, style. Si Jennifer Aniston n'a pas eu l'opportunité de voir grandir des enfants au sein de son foyer, elle a eu la chance d'avoir un papa en or. Les relations avec sa maman Nancy Dodd n'ont pas toujours été au beau fixe, elle est décédée en 2016 mais Jennifer Aniston a toujours été très proche de son papa, dont la fille était à la fierté. Ce lundi 14 novembre, la star américaine a cependant annoncé une douloureuse nouvelle sur son compte Instagram, la mort de son père adoré. Lui aussi acteur dans Maman et Colcase notamment. Style Diva Place Hold A1 et A2, 8-300px, minimum et 250px, at Media Screen End, minimum 8-990px, Div. A Place Hold A1 et A2, 8-620px, minimum et 350px, style.